Very important information. Important information number one, how to dupe your WestJet seatbelt. Insert that flat metal fitting into the buckle, pull on the strap to tighten the belt around your hips, and to release, simply lift the upper portion of the buckle. Your seatbelt is to be fastened whenever the seatbelt sign is on. There's a total of 8 emergency exits on this plane. There are 4 window exits located mid-cabin over the wings, 2 emergency door exits at the front, and 2 emergency door exits at the back. These exits are clearly marked. Please take a moment to find the exit closest to you, along with all other exits. This plane is equipped with floor lighting that will come on in the event of a power loss or an emergency. The floor area will be illuminated and all exits indicated by an exit sign. The cabin pressure is controlled for your comfort and safety. If this should change, 4 oxygen masks will automatically drop from the panels located above your head. Just stay seated and pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place that bright yellow cup over your nose and mouth, securing it behind your head with the elastic strap. Pull on the ends of the elastic strap to tighten, and remember to breathe normally, and don't take off that mask until a flight attendant tells you it's okay. Even though oxygen is flowing, the plastic bag may not inflate, but this is normal. For those of you traveling with children or anyone who requires additional help, please put your mask on first before helping anyone else. Now please ensure that your seat back and tray tables are in the full upright lock position, that you adhere to the information sign located just above your head. Again, my name's Maureen. If you have any questions or concerns, don't hesitate to ask. We'd be happy to help. We're going to do this one more time in French, and then we're going to get you up and on your way. And the WestJet Connect, our entertainment system, will be available as soon as the engines start running. And then Wi-Fi will be available once we get the appropriate altitude. Thank you. De nous accorder toute votre attention alors que nous examinons les procédures de sécurité suivantes. Dans la pochette du siège devant vous, vous trouverez une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la courroie pour l'ajuster sur vos hanches. Pour détacher votre ceinture, il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un total de 8 sorties d'urgence sur cet appareil. Il y a 4 hublots de sortie situés au milieu de la cabine au-dessus des ailes. 2 portes de sortie à l'avant et 2 portes à l'arrière de la cabine. Ces sorties d'urgence sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre place, ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. Un trajet lumineux vous conduira à la sortie d'urgence. La pression dans la cabine est réglée pour assurer votre confort. En cas d'un changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête s'ouvrira automatiquement et déclenchera 4 masques à oxygène. Restez assis, tirez sur le masque et l'oxygène se libérera automatiquement. Placez le masque fermement sur votre nez et votre bouche, tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Pour serrer, tirez simplement sur les 2 extrémités de la bande élastique. Respirez normalement et gardez votre masque jusqu'à ce qu'un agent de bord vous demande de l'enlever. Il est possible que le sac de plastique ne se gonfle pas, même si l'oxygène circule. Aux invités voyageant avec des enfants ou une personne ayant besoin d'aide, qui doivent placer leur masque en premier avant d'aider les autres. Veuillez redresser le dossier de votre siège et votre tablette et respecter les consignes lumineuses situées sur le panneau au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs et petits appareils électroniques portatifs tant que ces appareils demeurent sécurisés ou tenus et que le signal cellulaire soit éteint. Si vous avez des questions ou si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. On the last flight, everybody knew that if you clapped, you got extra snacks.